Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo sur une réglette anti-déflagrante que je viens juste de récupérer. Donc si vous entendez du bruit, désolé, c'est parce que je suis dehors. Donc prêtez pas attention au bruit. Donc voilà, donc elle est sale mais j'ai déjà nettoyé l'arrière. Donc voilà, l'arrière est déjà propre. Donc je vais vous mettre une petite photo là maintenant de quand elle était sale. Donc voilà, donc normalement vous avez la photo. Donc voilà, donc un peu comment c'est la vasque. L'arrière, ah, je vous enlever la vasque. Voilà, donc la vasque elle est tenue par deux, trois vis. Une là et une là, que j'en ai que deux. Mais bon, c'est pas grave ça. Donc la platine avec des tubes, un pin, voilà. Donc, désolé pour le bruit. Hein. Donc de Omni Ali contient deux tubes, un pin à sec, donc ils ont l'air assez en bon état, assez neuf, donc j'espère qu'ils fonctionnent. Donc voilà les fixations, en fait on a juste à tirer comme ça, donc là je vais pousser, mais c'est, voilà, faut tirer comme ça pour enlever le tube. On peut le faire des deux côtés, voilà, donc elle est assez rouillée, mais bon ça je pourrais trop rien faire quoi. Donc voilà, elle est crade à l'intérieur aussi, hein. Donc je vais enlever la platine. Attendez, je vais d'abord enlever les deux tubes avant de les casser. Maintenant la platine, donc c'est super lourd, c'est super lourd parce qu'elle y contient deux ballasts de 40 watts. Donc à mon avis c'est allemand, hein, c'est une marque allemande. Donc le condo, il n'y a plus d'étiquette parce que je l'ai enlevé parce qu'elle se décollait complètement. Donc mais on a une étiquette comme ça dessus, voilà. Donc les bornes qui passent pour le 220. Donc j'ai débranché les condos, hein, quand on voit la gueule des fils, voilà quoi, ça donne pas trop envie de... Bah on sait jamais, hein. Et puis même faut les débrancher quand on voit la gueule des condos. Donc voilà les ballasts, vous pouvez mettre pause pour lire. Donc il y en a un à l'envers et un à l'endroit. Donc voilà, on peut mettre pause pour lire, hein, c'est deux pareils. May et Christ, donc voilà. Donc des les ballasts May et Christ. Donc voilà les borniers des ballasts. Donc c'est un sacré bornier en porcelaine. Donc 600 volts, 500 volts là. Donc voilà, encore un truc en porcelaine. Donc l'intérieur. L'intérieur de la réglette. Voilà donc le joint que j'ai commencé un peu à décoller. Mais qui part pas en miettes, je voulais voir ça. Donc voilà. La platine. La platine qui se fixe grâce à une vis comme ça, papillon. Voilà, une vis papillon. Donc les fixations arrière, voilà, que j'ai récupéré, qui étaient avec. Donc une étiquette, voilà. Donc bah voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, donc sale. On se reverra plus tard pour la vidéo propre. Donc voilà, quand j'aurai tout nettoyé et fonctionnel. Donc voilà, donc, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir, allez.